sa maladie n'yon son. Soko miki sa maladie ke libela. Tu cantes à bas.
Kuwa mugonjwa ulinituza Nasema sante Nilikosewa ulinipani Nasema sante Asubuhi tosema sante Magharibi tosema sante Kila siku muatua ya maombi Choma kukia sante Asante kwako wana wako Asante sana Asante sana Mwana Yesu asante sana mwana
Quand regarde son voisin, il lui dit ceci, Léon Jolé. Alléluia! Alléluia! Souvent quand on dit Léon Jolé, il n'y a pas vous convient. Mais il y a vous convient. Alléluia! Vous savez, il y a une chose que moi j'aime, qui me booste dans la louange, c'est quand je vois mon pasteur danser. Alléluia. Je veux le dire en lingala, les Kinois vont comprendre. Otali grand prêtre Abino. Alléluia. Bongo biso ba oyo. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous, bon, je vais le dire quand même, hein, nous célébrons un grand événement et un autre grand événement. Derrière un grand événement, il y a encore un événement. Je peux l'annoncer? Est-ce que papa le permet? Alléluia. Bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de chanter ça à l'église, mais nous allons quand même chanter ça. Alléluia. Frère, allez-y. Joyeux anniversaire, Papa Richard. Joyeux anniversaire. Bien-aimés, est-ce que nous ne pouvons pas nous lever et chanter pour notre pasteur?
les fondements sont renversés, ce que le juste doit faire, c'est renverser les forteresses. Alléluia. Il y a une suite à ce qu'il faut posséder son héritage. C'est-à-dire, après avoir renversé, il possède son héritage. Alléluia. Mais il ne faut pas posséder n'importe comment. Il faut avoir des bonnes résolutions. Alléluia. Il faut prendre des bonnes décisions. Sinon, dans tes résolutions, dépendra ton succès. Alléluia. Et à la fin, on nous a dit une chose. Je fais un peu le frère Guillaume. Comprenez-moi. À la fin, on nous a dit une chose. Que même pour prendre ces résolutions-là, il y a une sagesse derrière. C'est la sagesse d'en haut. Alléluia. Et nous rappelons à quelqu'un qu'il faut racheter le temps. Alléluia. Même si nous sommes à la fin de l'année, rappelons-nous que ce temps ici, c'est un temps de réveil. Si au milieu de nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, l'occasion t'est donnée. Alléluia. La sagesse du temps. Alléluia. Alléluia. Et nous avons saisi ce temps, la sagesse du temps, pour louer et adorer le Seigneur. Nous n'avons pas voulu perdre notre temps. Alléluia. Car il nous a été dit ceci, qu'il y a un ratio, un rapport entre le temps que le Seigneur te donne et l'œuvre. Il y a un rapport. Quand Machini égale à zéro, tu as perdu ton temps. Alléluia. Alléluia. Papa Richard, merci beaucoup. On nous a donné beaucoup de sagesse derrière. Alléluia. Apprends-nous à compter nos jours. Alléluia. À compter nos jours, c'est bien compter ses jours. Le temps est mauvais. Nous voulons passer à un moment aussi de louange avec les bien-aimés qui sont venus louer le Seigneur avec nous. N'est-ce pas? Parce que les Kinois disent aux Unzambe, Kabanzambe. La louange, on ne la garde pas. La louange, il faut la partager. Voilà pourquoi nous invitons le frère Nicolas avec son groupe. Pendant quelques minutes, le bien-aimé, nous acclamons le Seigneur. Non, on n'a pas bien acclamé. Nous acclamons le Seigneur. Jésus. Shalom, shalom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Waouh. Le Seigneur Dieu est vraiment merveilleux. Hier la nuit, j'étais en train de lire la Bible. Je me demandais, je disais à Dieu, Seigneur, nous voulons traverser, nous voulons laisser l'année 2021 qui a été une année vraiment dure. Imaginez-vous, Covid-19 nous a frappés dans l'année 2021. Une année que personne ne s'attendait à une chose pareille. Nous avons perdu des personnes vraiment très très chères. Mais regarde, il y a des familles qui ont pleuré. Mais toi, Dieu t'a gardé, tu n'as pas pleuré. Il y a ceux-là qui ont perdu des amis chers, de frères et sœurs, de femmes et autres. Mais toi, Dieu continue à garder ta chair. Dieu est en train de te faire encore de bonnes choses ce soir. C'est pour cela que j'aimerais que tu puisses vraiment acclamer, que tu pousses les cris de joie, que tu dises, Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Est-ce qu'il y a un adorateur qui peut reconnaître la grandeur de Dieu? Alléluia. Nous sommes debout seulement comme ça. Le livre des Lévitiques, le 3e chapitre, 1er verset nous dit ceci. Lorsque quelqu'un offrira un sacrifice d'action de grâce, s'il offre un gros bétail, mâle ou femelle, qu'il l'offre sans défaut à l'Éternel. Alléluia. J'aimerais que ton adoration de ce soir
que ce soit une adoration sans défaut. Ta louange de ce soir, que ce soit une louange sans défaut. Ta célébration de ce soir, que ce soit une célébration sans défaut. Alléluia! Oh, nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, pour tout tes bienfaits dans nos vies, Jésus. Merci Seigneur. Oh, pour toute gloire, merci Seigneur. Nous te proclamons pour ta bonté renouvelée dans ma vie. Nous disons merci. Merci Seigneur. Le roi des rois, les yeux de paix, nous disons merci. Merci Seigneur. Pour nous avoir gardé durant toute une année, nous disons ce soir merci.
Give
Qui est resté debout depuis qu'on a commencé. Papa Matondo reçoit la guérison, Seigneur, au nom de Jésus. Il faut reconnaître la grandeur de Dieu. Même quand on est faible, on l'a dit ici, que le faible dise qu'il est. Alléluia.
Nous allons prendre deux actions de grâce. Quelqu'un qui veut rendre grâce au Seigneur, dire ce que le Seigneur a fait pour lui. J'aime toujours le dire que tous, autant que nous sommes en ce monde, nous sommes une action de grâce. Tout s'y prête. Déjà que tous sont une action de grâce. Est-ce que nous ne pouvons pas dire merci au Seigneur en l'acclamant très fort? Frère Nicolas, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a une action de grâce? Moi, je rends grâce au Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre pasteur. C'est vrai qu'il aura un moment où il va parler. Mais depuis que je suis dans cette église, je n'ai jamais fêté l'anniversaire d'un pasteur. Pour moi, c'est la toute première fois. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Au fait, notre papa fête son anniversaire aujourd'hui. C'est aussi notre anniversaire. Joyeux anniversaire à tous. Voilà. Ça veut dire que tous on a le même âge que le aujourd'hui. Alléluia. Qui peut rendre grâce au Seigneur de nous? Y a-t-il quelqu'un? Nous allons rendre grâce au Seigneur avec la sœur Chancel qui a un cantique. Elle veut rendre grâce au Seigneur. Shalom Église. Ce soir, moi aussi, je voulais adorer Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour ses bontés. Aujourd'hui, dès que vous me voyez, je suis un témoignage. Voilà pourquoi je vais l'adorer. Mais l'eau
poussant des cris de joie. Alléluia. Dans chancel année n'allons pas rumoucho. Tina mukokoli. Alléluia. Voilà, il y a encore. Nous bénissons le Seigneur avec la sœur parce qu'elle a été à Lubumbashi, elle était hospitalisée, très malade. Elle est rentrée, je crois, le mardi de cette semaine. Nous bénissons le Seigneur avec la sœur. Il y a encore une autre action de grâce. C'est seulement de ce côté. Hein. Ah, Papa Matou. Papa Matondo, lui, ne va pas chanter. Papa Matondo aime Okovu, mais bon, il ne va pas chanter. Shalom, Église. Moi, j'aimerais rendre grâce à Dieu. Il y a eu un temps, on est passé dans la détresse. Dieu nous a réconfortés, a perdu notre père, et Dieu nous a donné un bon berger. Ça, c'est un témoignage que je donne. La dernière église que le feu pasteur a prêché, c'était à Kipushi. Il a voulu que je puisse vraiment rencontrer avec le pasteur Wanya. Malheureusement, le temps faisait défaut et j'étais rentré. Il a voulu vraiment que je me voie avec le pasteur. Au retour, Dieu ne l'a pas. Je suis rentré et je voulais le reprendre. Le pasteur lui a épousé à Lubumbashi. À son retour, il m'a dit, je voulais que tu te rencontres avec le pasteur parce que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui m'avait beaucoup soutenu. C'est un bon berger. Voilà que quand le moment est venu que le pasteur est parti, on se demandait qui on pouvait avoir comme berger. Et Dieu nous a fait grâce, malgré qu'il était à Kipushi. Dieu a permis à ce qu'il soit à Kasumbalesa. Pour ce fait, je rends grâce à Dieu. Bien-aimés, nous acclamons le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur parce que le feu là, il y a toujours ce feu là, alléluia. Alors pourquoi nous bénissons le Seigneur? Je me rappelle encore, le pasteur était venu ici bénir un mariage, ne sachant pas qu'il allait rentrer ici pour bénir les autres mariages, alléluia. Est-ce que les célibataires qui sont ici ne peuvent pas acclamer le Seigneur? Alléluia. Bon, je me suis intéressé aux célibataires qui sont ici parce que je les connais. Ceux d'ici, je ne les connais pas. Je sais qu'ils sont célibataires. Alléluia. Non, il y en a. Il y en a. Alléluia. On a même un doyen des célibataires. Bon, nous passons. Nous voulons recevoir un autre groupe, les bien-aimés, venu avec le frère Jonathan. Est-ce qu'ils peuvent passer pour quelques minutes seulement parce que nous n'avons plus assez de temps? Nous demandons aussi à quelqu'un, il nous a été dit ceci, qu'aujourd'hui on devait amener, préparer une action de grâce. Et si quelqu'un peut déjà commencer à prêter cela, quand le moment viendra, on va nous informer. Une action de grâce par rapport à cette fin d'année. Mais aussi le dimanche, n'oublions pas, il y aura encore, nous allons encore amener une action de grâce, n'est-ce pas, pour commencer l'année 2022. Déjà, celui qui a amené son enveloppe, il peut déjà la prêter. Ou celui qui a besoin d'une enveloppe, il y a le service d'accueil derrière. Apprêtons déjà notre action de grâce. Jésus. Amen, Église. Est-ce qu'on peut balancer la main? Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine qu'espère encore.
dis-le avec foi, espère encore. Dis-le en acclamant fort. Na luka yo,
Berger pour quelques minutes. Il va nous exhorter par rapport au temps, par rapport à ce qui nous attend, ce que nous devons faire, n'est-ce pas, dans la marche avec le Seigneur. Alors que le berger est en train d'avancer, nous allons nous incliner dans la prière. Quelqu'un va demander au Seigneur et lui dire: je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Je voudrais encore saisir cette occasion et t'écouter davantage. Je voudrais que ces quelques minutes que tu y as réservées pour me parler, que tu parles à mon cœur. Nous élevons nos voix, Seigneur, merci. Tu es ce Dieu qui connaît le moment. Tu es le Dieu qui choisit le moment. Et voici le moment, Seigneur, où tu veux parler à ton peuple. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Que tu nous parles, Yahweh. Que tu parles à mon cœur, au Seigneur. Mon cœur a soif de toi. Parle, Seigneur, tes serviteurs sont à ta disposition. Parle, oh Dieu, nous sommes disposés à t'écouter. Nous sommes disposés, Seigneur, à t'écouter, oh Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Éternel notre Père, nous nous tenons devant toi en toute humilité et reconnaissance. Te disons merci pour 2021 qui court vers sa fin. Et nous te disons par la foi déjà merci pour 2022 qui vient au galop. Seigneur, bénis ce moment. Bénis ce temps, nous voulons partager juste une petite pensée que tu as mis sur notre cœur en ce jour de célébration où nous célébrons la victoire du bien sur le mal, la victoire de Jésus sur Satan, la victoire de l'Église sur les portes du séjour des morts, la victoire des chrétiens sur le monde des ténèbres, la victoire du juste. Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié, éternel Dieu. Au nom de Jésus, amen. Gloire au Seigneur. Avant que nous puissions parler, je serai très bref. Je sais que cette année n'a pas été facile pour nous tous. Et il y a un cantique qui montait dans mon esprit pendant que nous chantions. Nous voulons que nous puissions ensemble nous lever. Nous allons chanter ce cantique avec la sœur Mireille. Baye n'a pas stratégie. Il y avait des stratégies, bien-aimés. La COVID avait fait des stratégies contre toi. Les sorciers avaient fait des stratégies contre toi. Le monde des ténèbres avait monté des stratégies contre toi. Notre sœur Nadège qui a chanté ce cantique, c'est son témoignage. Elle a été empoisonnée, si vous ne savez pas le sens de cette... Pourquoi ce témoignage, cette chanson me touche beaucoup? Parce que c'est le témoignage de quelqu'un qui a vu la victoire du bien sur le mal. Et elle a dit, ils ont profité lorsque j'ai laissé une petite porte ouverte. Ils sont entrés, mais Dieu m'a donné la victoire. Pourquoi?
pour Nazaya Yesu. Alléluia. Nazaya Yesu, si tu es à Jésus, bien-aimé, j'aimerais te dire, quels que soient les complots connus et inconnus, les ennemis visibles et invisibles, alléluia. Nous chantons la signature d'adoration. Alléluia. Tu peux adorer le Seigneur et chanter. Oh, 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 oh
L'espérance. Celui qui vit peut améliorer. Celui qui vit peut transformer ses échecs en victoire. Celui qui vit peut transformer ses pertes en succès. Celui qui vit peut transformer une vie de péché à une vie de sanctification. Celui qui vit peut expérimenter le pardon de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et cris de victoire? Alléluia. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais lire un psaume. C'est le psaume 65, les versets 11. Ce psaume va nous parler de l'année passée et de l'année qui vient. Je choisis ce psaume parce qu'il parle de deux années à la fois. C'est un psaume qui met ensemble deux années, l'année qui est en train de passer et l'année qui va commencer. Psaume 65, le verset 11, la Bible dit, c'est le psalmiste qui parle. Il dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Dieu couronne l'année. Dieu remplit l'année. Dieu inonde une année. Dieu fait des provisions dans une année. La Bible dit, Dieu met des choses nécessaires à la vie pour toute une année. De janvier à décembre, Dieu l'a déjà couronné. L'année passée, bien-aimé, Dieu avait déjà mis à ta disposition tout ce qui contribuait à ta vie et à ton succès. Non, Dieu n'a pas regardé ton voisin plus que toi. Tu as la même valeur que ton voisin. Si ton voisin a réussi, non, ce n'est pas qu'il est spécial. Il a fait quelque chose que je vais vous dire tout à l'heure. Et si toi tu n'as pas réussi, ce n'est pas parce que tu es le moins bon. Ce n'est pas parce que tu es la personne maudite. Ce n'est pas parce que tu es sous une malédiction seulement. Tu n'as pas fait une chose. Et c'est la chose que j'aimerais nous transmettre ce soir. Dieu couronne l'année, ça c'est la part de Dieu. Dieu met des grâces.
Dieu prépare des opportunités, des occasions de succès, des occasions de paix, des occasions de joie. Pour tout le monde, la Bible dit, fait lever son soleil sur le bon et sur le méchant. Dieu donne la chance à tout le monde. Dès que c'est le 1er janvier, la course est ouverte à tout le monde. Dieu n'a pas d'enfants chéris. Dieu les favorise. Par la Bible dit, Dieu ne fait exception des personnes. Mais c'est lui qui honore Dieu. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Dieu a fait sa part. Il a déjà couronné l'année. Avant de dire la deuxième partie qui est la clé pour expérimenter le couronnement de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un qui a l'impression que Dieu lui a trompé en 2021. Il y a des choses que tu attendais de Dieu. Et tu as tout fait. Tu as payé tes dîmes. Tu t'es éloigné du péché. Tu as marché avec le Seigneur. Mais apparemment, ce que tu attendais de Dieu, tu n'as pas réussi. Et alors que tu viens dans cette célébration, tu es même difficile à bien danser parce que pour toi, Dieu a une dette pour toi. Non, j'ai encore une bonne nouvelle pour toi. Il est 19h moins. Il y a encore plusieurs heures avant que 2021 ne se termine. Bien-aimé, Dieu peut te répondre avant minuit aujourd'hui. Bien-aimé, le Dieu que je vous parle, c'est lui qui tient les temps et les circonstances. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Peut-être tu dis, Dieu m'avait promis, je serai enceinte en 2021. Ma soeur, tu peux tomber enceinte aujourd'hui de quelques heures. Dieu est capable, ce soir tu peux tomber enceinte, ce soir. Et lorsque tu iras faire l'examen, oh, tu as la grossesse d'une semaine. Quand tu vas calculer une semaine, ah, le 31 décembre. Alléluia. Parce que Dieu est incapable de mentir. Dans le vocabulaire de Dieu, le mot mentir n'existe pas. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne le réalisera-t-il pas? J'aimerais te dire, frère, crois encore. Moi, je crois encore. Car avant minuit, quelque chose va m'arriver. Je m'attends à quelque chose aujourd'hui. Donc, je suis en train de célébrer non seulement mon anniversaire, mais l'accomplissement d'une promesse de Dieu de 2021. Si tu attends avec moi, Dieu, un véritable amen. Mais voilà la deuxième chose, la chose que tu n'as peut-être pas faite. Voilà pourquoi 2021, jusqu'à maintenant, ne t'a pas donné son trésor. Chaque année a des trésors qu'il offre aux hommes. Parce que Dieu l'a déjà couronné, Dieu a déjà donné. Mais tu n'as pas fait une chose. Et cette chose, tu vas le faire de maintenant jusqu'à minuit. Et tu vas le faire de minuit jusqu'au 31 décembre 2022. C'est quoi la chose? C'est la deuxième partie de ce verset qui dit ceci. C'est vrai, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Dieu couronne l'année des biens, de prospérité, de bénédiction, de grâce, de guérison. Mais ce sont ses pas à lui qui donnent l'abondance. Ça veut dire quoi? Si tu veux vivre l'abondance, si tu veux que ce que Dieu a fait comme couronnement devienne abondance dans ta vie, tu dois marcher avec Dieu. C'est les pas de Dieu qui versent l'abondance. Le couronnement, c'est comme une promesse, mais les pas de Dieu, c'est l'accomplissement. J'aime toujours dire, il ne faut pas avoir de promesses qui ne s'accomplissent pas. Mieux vaut avoir deux promesses seulement et que tu les vives, plutôt que d'avoir 35 promesses et zéro promesse vécue. Bien-aimé, tu vas marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu veut dire quoi? Avoir la foi. Croire que Dieu ne peut pas mentir. Marcher avec Dieu veut dire quoi? Marcher dans la sanctification. Car la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous toucher, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous empêchent de voir sa main. Quelqu'un va se repentir ce soir, maintenant. Tu as marché peut-être loin de Dieu, alors que Dieu marchait vers la gauche, toi tu allais vers la droite. Voilà pourquoi tu n'as pas expérimenté l'abondance. Parce que l'abondance, Dieu le cache dans ses pas.
ni pa mikulu yake njoku na kwa utele. Utele aina tu kukusema kanya no. Utele ya Mungu ni pa mikulu yake. Tembea pamoja na Mungu na utaishi utele yake. Marche avec Dieu. Marche dans l'obéissance à sa parole. Applique la parole de Dieu. Éloigne-toi de choses que Dieu n'aime pas. Mais aussi marche avec la foi. Même si tu vois que les choses deviennent difficiles, crois encore. Bien-aimé, même si les médecins te disent que tu vas mourir dans 2000, dis-lui, docteur, je ne mourrai pas. Le psaume 118, le verset 17 dit ceci. Ça commence par non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, tu peux refuser la mort par ta déclaration. Même si on t'a diagnostiqué d'une maladie incurable, moi je te dis, avant minuit, tu diras non à cette maladie, tu diras non à ce problème et tu auras la solution. C'est ça marcher au rythme de Dieu. Ce sont les pas de Dieu qui donnent l'abondance. Quand Dieu met les pas gauche, il y a l'abondance. Quand il met les pas droit, il y a l'abondance. Et quiconque marche avec le Seigneur expérimentera l'abondance. De 19h à minuit, tu vas expérimenter l'abondance. J'aimerais dire à quelqu'un sera engagé ce soir. Non, tu n'as pas dit amen parce que tu ne crois pas. Toi, on va t'appeler aujourd'hui pour dire, viens commencer le travail demain. On peut même te dire, viens avant minuit voir ton bureau. Ah, votre main est faible. Bien aimé. Moi, le jour où je commençais mon emploi, mon travail, que je viens de quitter, c'était un 1er mai. C'est un jour férié. Le 1er mai, c'est un jour férié. Mais moi, c'est le jour où je signais le contrat et je commençais à travailler dans mon bureau. Pour dire que les travails que Dieu donne sont des travails exceptionnels. C'est des travails qui sortent de l'ordinaire. Bien-aimé, tu es régi par la loi de l'exception divine. Tu n'es pas comme tout le monde. Les autres ont leur travail après avoir présenté des CV, des demandes d'emploi. Tu auras le travail pendant que tu dors. On va te réveiller. Viens commencer. Et tu n'auras même pas encore lavé le visage. Tu es en train de taper à l'ordinateur. Alléluia. Donc en 2022, marchons dans les pas de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Merci Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons tous nous lever. Et nous allons faire deux choses avant de continuer et de clôturer ce moment de louange. La première chose que nous allons faire, regarde l'année 2021. Regarde ce qui n'a pas marché. Fais un bilan rapide de ta vie. Parce que tu ne peux pas passer à l'année prochaine sans avoir fait une rétrospection de l'année qui s'achève. Comment sauras-tu si tu as réussi ou si tu as échoué? Quels sont les objectifs que tu avais au début de cette année? Et quels sont les objectifs que tu as atteints? Et quels sont les objectifs qui t'ont échappé? Commençons d'abord par prier sur l'année 2021. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a gardé et parle-lui de ce que tu n'as pas eu ou de ce que tu as eu et dis-lui, Seigneur, je m'attends encore à toi jusqu'à minuit. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Fais le bilan, bien-aimé. Tu n'es pas obligé de crier, c'est une prière personnelle. C'est une prière personnelle que tu fais devant ton Père. Seigneur, voici en 2021. Je m'attendais à telle ou telle autre chose. Je croyais fermement que j'allais voyager. C'est la prière de quelqu'un, Seigneur. Je croyais fermement que j'allais avoir des enfants, Seigneur. Je croyais fermement que j'allais quitter le chômage. Je croyais fermement que j'allais commencer mon ministère. Je croyais fermement que je verrais les aveugles voir dans mon ministère. Je croyais fermement, Seigneur, que j'allais construire ma maison, que j'allais quitter le fait d'être locataire et être même bailleur. Je croyais fermement, Seigneur, que ma situation sociale allait changer. Seigneur, vois le bilan de ma vie, Seigneur. Vois le bilan de mon frère. Vois le bilan de ma soeur, Seigneur. Éternel Dieu des armées,
Là où ça n'a pas marché, nous venons à tes pieds. Là où nous avons échoué, là où nous avons trébuché, nous nous jetons au pied de la croix et dire, Seigneur, pardonne-nous. Là où nous avons été distraits, négligents peut-être. Là où, Seigneur, notre Dieu, nous étions occupés de futilités et nous avons négligé les priorités. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, il reste encore quelques heures. Tu peux encore nous racheter. Toi qui dis dans ta parole, je vous racheterai les années que vous ont volées. Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Le Dieu qui restaure même le 31 décembre. Tu peux restaurer à quelqu'un les promesses non vécues. Jésus, c'est notre prière. Nous te présentons 2021, Seigneur. Nous te disons merci pour cette année 2021. Et nous disons Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'à 19h, le 31 décembre, le Seigneur nous a secourus. Seigneur, maintenant, amène-nous jusque là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons faire la deuxième partie de la prière. Maintenant, tu vas prier pour 2022. Tu vas prendre la décision de marcher au pas de Dieu. Non, bien-aimé, ne sois pas pressé, ne précède pas Dieu. Ne sois pas aussi en retard, ne tire pas les pas, ne reste pas derrière Dieu. Marche avec Dieu, au même rythme de Dieu. Si Dieu s'arrête, arrête-toi. Si Dieu avance, avance. Bien-aimé, marchons au rythme de Dieu. Prie maintenant, prends de bonnes décisions. Change tes amitiés, change tes fréquentations, change ta façon de prier. Décide de lire ta Bible et de marcher dans la crainte de Dieu. Décide d'obéir à la parole de Dieu et de voir l'abondance en 2022. C'est toi qui as la clé. Ouvre 2022. Prie au nom de Jésus, alléluia. Commence à prophétiser sur 2022. Commence à ouvrir toutes les portes de 2022 dans ta vie, dans ta santé, dans tes finances, dans ton ministère, dans l'onction de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ton épouse, dans tes enfants. Commence à ouvrir. Ouvre. Christ a dit, je vous ai donné la clé. Tout ce que vous ouvririez sur la terre sera ouvert aux cieux. Alléluia. Seigneur, tu nous as donné les clés. Les clés du royaume, le royaume de 2022 est soumise à nous, Seigneur. L'abondance nous attend, l'abondance nous attend. Et cela, c'est dans tes pas, c'est sous tes pas. Voilà pourquoi j'aimerais marcher dans tes pas, marcher au rythme de tes pas, avancer avec toi, aller de l'avant avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je prends possession de 2022 qui vient. Seigneur, j'aimerais corriger mes erreurs en 2022. Ce que je n'arrivais pas à faire en 2021, je décide de le faire. J'arriverai à le faire. J'atteindrai au nom de Jésus. Je renverserai, je vaincrai, j'abattrai, j'ouvrirai au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Reba ba 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 ba. Yendembele na we Yesu. Katikane Atika, 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 At
Saint-Esprit est droit. Saint-Esprit est droit. Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Jésus. Oui, appelle-le pour te soutenir.
Thank you.
acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Nous sommes presque arrivés à la fin. Alors que le pasteur était en train de parler, il y a un chant qui est monté dans mon cœur et j'étais en train de dire Tambola, 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 na Yesu. Tambola, Tambola, na Yesu. Est-ce qu'on peut le faire? Tambola. Déjà fatigués. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de garder de l'énergie parce qu'après ici, ils iront quelque part. Tambola kamale. Nous voulons récupérer nos chaises.
Bien-aimés, nous tendons vers la fin de notre soirée. Le moment est venu où chacun d'entre nous va prêter son enveloppe d'action de grâce, mentionnée sur l'enveloppe action de grâce. C'est important. Mettons action de grâce et apprêtons aussi nos offrandes. Nous allons nous incliner dans la prière et dire merci au Seigneur pour ce qu'il a mis entre nos mains. Nous élevons nos voix et nous prions. Seigneur, merci pour ce que tu as mis entre nos mains. Yahweh, tu es bon et tu es merveilleux. Nous venons, Seigneur, te dire merci. C'est vrai, ô Dieu, que cela est peu de choses par rapport à tout ce que tu as fait. Sois élevé, ô Seigneur. Nous t'aimons, ô Dieu. Voilà pourquoi nous venons t'offrir cela. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, comme les bien-aimés ont déjà commencé, les actions de grâce, nous les déposons ici devant. Et pendant que nous serons en train de parler, les paniers seront en train de circuler pour les offrandes. Et nous passons au communiqué. Ce que demain, comme le berger a eu à le dire, demain il n'y a pas d'activité, nous allons fêter en famille. Le dimanche, nous aurons nos deux cultes. C'est-à-dire le premier de 8h à 10h30 et le deuxième de 10h45 à 13h15. Aussi le dimanche, il nous est demandé aussi de faire la même chose. Je bénis les seigneurs parce que je vois les enfants aussi venir reconnaître la grandeur du Seigneur et venir dire merci au Seigneur par rapport aux enveloppes. Que le Seigneur nous bénisse. Donc le dimanche, on va refaire le même exercice, c'est-à-dire nous allons amener aussi nos enveloppes pour sceller l'année qui va commencer. Mais n'oublions pas un détail, c'est que nous devons marcher. La parole éternelle Kasumbalé, ça vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagna. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être que tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes sont là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse.